J'ai un combat à mener. Et c'est après le 18 octobre que je vais penser à moi. Pour le moment, je pense comme à relire encore mon champion, le champion des champions, mon père Alpha Condé. Donc, je vais super bien. Oui, moi, le moral, il est intact, il est là. Ça va. Donc, c'est ça, RPG Forever, c'est moi ça. Inch'Allah. Vous savez, il y a des militants, il y a des clients partout. Mais nous, dans le RPG, dans la grande famille RPG Arc-en-Ciel, il y a deux choses. Quand tu n'as pas les deux choses-là, même quand tu adhères au RPG, un beau jour, moi, je ne serais pas étonnée qu'on me dise que la personne n'est plus dans le RPG. Il y a deux choses. Tu n'as pas ça, tu ne vas pas rester dans le RPG. La patience et la conviction. Il faut avoir une conviction pour être dans le RPG Arc-en-Ciel. Il faut être patient pour être dans le RPG Arc-en-Ciel et pour bénéficier un jour. Nous, on mène un combat qui est vraiment noble. Le combat que nous menons est noble. Moi, j'ai deux combats. J'ai un combat contre ce Loudalin qui n'a rien à voir avec le RPG Arc-en-Ciel. Et j'ai un aussi combat. Comment relire le champion des champions, mon père, mon champion, Alpha Condé. Les deux combats-là, je n'attends pas quelqu'un pour m'accompagner. Je veux mener ce combat. À tout prix. Comment relire Alpha Condé et comment empêcher ce Loudalem à accéder au pouvoir dans ce pays. Moi, je suis très patiente. Très patiente. C'est ça, moi, la patience. Et j'ai une conviction. Et je sais que ça va changer dans peu de temps, après les élections, là, après les résultats, après l'investiture du champion Alpha Condé. C'est pour le changement. Il y aura un changement pour tous les Guinéens, même ceux qui n'ont pas voté pour RPG Arc-en-Ciel. Parce que c'est son devoir de changer le pays, changer la vie des Guinéens, et il va le faire, Alpha Condé. Il va changer la vie des personnes qui ont voté pour lui. Et il va aussi changer la vie même des personnes qui n'ont pas voté pour lui parce qu'il est le chef de l'État, il est le président de la République. Et il a promis de changer et il va changer. Je fais cette petite vidéo pour certaines personnes dont moi je ne connais pas, je ne sais même pas. C'est pourquoi moi je faisais tout, je vous dis, je ne suis pas une blogueuse. Je n'ai pas affaire avec des blogueuses ou des blogueurs. Moi je viens parler, c'est mon téléphone. C'est ma connexion. Je prends mon téléphone, je parle de mon père, Alpha Condé. Je prends mon téléphone, je dénonce la dictature de l'IFDG et de son président, Sélou. Oui. La dictature de leur président, de l'IFDG et de leur président qui est Sélou. Je prends mon téléphone, je dénonce ça. Et puis je ferme mon téléphone, je continue à faire autre chose. Vous n'allez jamais m'entendre, moi, parler de la vie privée des gens ici. Vous avez vu, il y a eu tellement de cas ici. Jamais, il ne faut jamais s'attendre. Moi, je sors, je parle d'un truc qui n'est pas politique. Non, non, il ne faut jamais s'attendre. Il y a eu des choses, chacun sort, parle de la vie. Non, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai deux sujets sur le réseau ici. Alpha Condé, mon président, mon champion. Oui. Et le farfelu, le rebelle, le sanguinaire, le bandit, c'est Loudalé. À part eux, là, j'ai pas de sujet. Ceux qui racontent du n'importe quoi, là. Moi, vous êtes très petits devant moi. Je veux juste vous rappeler une chose. Il y a les vrais communicants du RPG qui sont là, qui ont fait 10 ans avec le président Alpha Condé. Il y a d'autres qui n'ont pas de voiture. Ils ont des motos. Il y a d'autres qui n'ont pas de moto. Il y a d'autres communicants qui sont là, qui sont agréés, qui ont leur badge.
de communication du RPG Arc-en-Ciel qui n'ont même pas de vélo. Il y a d'autres communicants ici qui n'ont rien, mais c'est la dignité qui compte. Ils sont dignes. Pour être au sein du RPG, il faut être digne. Moi, j'ai toujours dit, le parti le plus pingre au monde, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Je le dis haut et fort, je le dis à qui veut l'entendre. Et ça, ce que si vous voyez aujourd'hui que le professeur, le bâtisseur travaille dans ce pays, il a la tête tranquille, c'est parce qu'il ne doit à personne. Pas un opérateur économique, pas un commerçant, pas un marchand, pas un homme d'affaires à l'étranger. Alpha Condé ne doit à personne. Il n'a pas pris crédit à quelqu'un pour dire « Donne-moi ça, quand je serai président, je veux te rembourser. » Non, never. Le RPG, il n'y a pas ça au sein du RPG. Si vous avez vu, Alpha Condé a perdu ici combien de fois les élections. Il n'a jamais dit « Non, il faut que je sois président parce qu'il n'a pas de pression. Il ne doit pas aux gens. Il a la tête tranquille. Il veut gouverner le pays dans la paix. » Si vous voyez aujourd'hui, c'est Luda Lendi, coûte que coûte, il est allé aux élections en 2020. Il veut coûte que coûte le pouvoir parce qu'il a des dettes qui ne finissent pas. Il n'y a pas un marchand à qui il ne doit pas. Il n'y a pas un commerçant à qui celui ne doit pas. Il n'y a pas un opérateur économique ici à qui il ne doit pas. Il n'y a pas les hommes d'affaires du Sénégal de l'autre côté là. Celui, il doit de l'argent à tous ces gens-là. Donc il est obligé de dire que oui, il va aller aux élections. Et il a reçu combien? Vous savez, il a reçu combien? Celui-là a reçu combien de millions? Écoutez-moi bien. Millions de dollars, hein? Je ne parle pas de francs guinéens. Il a reçu combien de milliards de francs guinéens pour qu'il accepte d'aller aux élections? On lui a avancé. Donc, on connaît, je vais venir vous détailler tout l'argent qu'il a reçu et ce qui reste. Celui-là, la pression derrière lui. Donc, il était obligé de partir aux élections. Alpha ne doit à personne. Donc, c'est pourquoi il a la tête tranquille. Nous, dans le RPG Arc-en-Ciel, il n'y a pas un vendu. Les militants les plus dignes au monde, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Les combattants les plus nobles au monde dignes, c'est dans le RPG Arc-en-Ciel. Personne n'est acheté. Personne n'est vendu. On ne paye personne. C'est quand tu as une conviction, quand tu es patient, quand tu es digne, tu as ta dignité, tu combats pour le RPG Arc-en-Ciel. Sans rien s'attendre en retour. Mais nous, les Ngélué, toute personne qui va se comparer à nous, Ali Maïbara a perdu. Alima, tu n'es pas intelligent. Alima, tu n'es rien, quoi. Parce que nous, là, on n'a pas payé quelqu'un pour faire notre promotion. Nous, là, si aujourd'hui quelqu'un s'assoit sur les réseaux sociaux, parle de Celuda Lendiallo, insulte Celuda Lendiallo, c'est parce que nous, les Ngélo, on a montré que Celu, c'est pas un diable. Que Celu, c'est pas un ange. Que Celu, c'est pas un prophète. Que Celu, c'est pas un dieu. Il est être humain comme tout le monde. Donc, on peut tout dire à Selou comme on peut tout faire à Selou Daleng. Donc, si aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de Selou Daleng, nous, je n'ai pas dit qu'ils parlaient de Alpha, qu'ils parlaient de bonnes choses d'Alpha Condé, mais de s'attaquer à l'IFDG, de s'attaquer à Selou Daleng, c'est les Ngélé qui ont montré que oui, que c'est possible. Et j'ai bien fait. J'ai fait rare maintenant des directs parce que partout où tu rentres dans Facebook, il y a tout le monde qui fait des directs, qui parle de ces loups, qui parle. Donc moi, je suis satisfaite. Moi, c'était moi, mon vœu. Que tout le monde s'attaque à ces loups d'Alain, que chacun parle de ces loups d'Alain, que chacun traite de ces loups d'Alain. Du n'importe quoi. Moi, c'était moi, mon vœu, ça. Et c'est réalisé. Donc toute personne qui va se comparer à Ngélué, tu es perdant. Nous ne sommes pas les mêmes, mes frères et sœurs. Nous, là, nous sommes les enfants du père fondateur de l'IFDG. Hein? Nous sommes les enfants, l'un des membres clés de fondation, leur fondation de Hali Poular, la coordination Hali Poular. Nous sommes les enfants de cette dernière. Donc c'est le Fouta qui est dans le RPG Arc-en-Ciel. Les Ngélué ne sont pas n'importe qui.
Et je sais pourquoi je vais toujours dire que je suis fière des vrais militants du RPG Arc-en-Ciel qui reconnaissent ça, qui nous prend aujourd'hui comme des symboles dans le RPG Arc-en-Ciel. Merci à vous. Moi, le combat que je mène aujourd'hui, je le mène pour deux personnes. Pour le président de la République, Alpha Condé, et pour les vrais militants qui reconnaissent notre effort, qui reconnaissent notre courage, qui reconnaissent tout ce qu'on fait pour le parti. C'est pour eux, nous menons ce combat. C'est pas pour quelque chose. Et moi, je vais pas être là pour... Je suis pas là pour vous raconter ma vie privée, comment je gagne mon argent. Et puis, Nyam Fatara, quand j'ai l'argent, je mange Ntandom Fatara. J'ai bien fait. Anoukononarama, tu peux prendre ton billet, tu viens en Guinée vivre la réalité. Anoukononarama, inomangelide, oubé Fenderaba, oubé Mini, tu dis moi mon nom clairement, Inkombi, tu vas voir moi aussi ma réponse. Moi, personne n'est mon père ou ma mère sur les réseaux sociaux. Nous, Mirio Moubarere. La seule personne, nous, Narambarere, c'est Ousmane Nyeloui. J'ai des frères, des champions. En Danguinera sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mon problème. Donc, Korboya est mon frère, moi. Nyelo est mon frère. Et j'ai mon champion des champions aussi, qui est mon frère. C'est ma Toma. Il a raffé, il a dit, il a touché, chaque cafon. Donc, le reste là, on s'est vu sur les réseaux sociaux. On s'est connu sur les réseaux sociaux. On se dit bonjour, bonsoir. On s'excuse. Moi, je n'ai appelé personne pour faire un combat commun. On s'est vu sur les réseaux, on a décidé de travailler ensemble. Donc, on s'excuse. Personne. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Quelqu'un ne travaille pas pour moi. Et moi, ma vie, là, mon combat que je mène, là, je le mène parce que j'ai envie de le faire. Je veux mener ce combat. Moi et les autres, là, nous mûrions à combat Kérémara. Les Nyelo et les autres, c'est différent. Parce que nous, je vous dis aujourd'hui, on a lancé des défis avec ces Loudalé. Il m'a dit, Fatou, il ne faut pas aller au RPG. Les gens là n'aiment pas les peuls. Les gens là, ils ne vont pas vous aimer. IFDG, c'est la maison, c'est ta maison. IFDG, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es fâché, mais reste dans ton coin. Quand tu n'es plus fâché, là, tu vas revenir. Je l'ai dit, ça ne te regarde pas, toi, c'est Loudalé. Même si je vais aller au RPG, ils vont me prendre, ils vont me nettoyer partout, c'est sale dans le RPG, je vais aller. Et je te dis que j'ai compris, toi qui aimes les peurs, là, j'ai vu comment tu t'es comporté envers la personne qui t'a amené dans l'IFDG. J'ai vu comment tu t'es comporté envers la personne, le père fondateur du parti. Donc moi, je m'en fous de toi. Toi, c'est Loudalé. Même si Alpha va me prendre, me nettoyer partout où c'est sale dans le RPG, je suis prête. Et je le dis ici aujourd'hui encore. Même si on va me prendre, me nettoyer partout où c'est sale dans le RPG Arc-en-Ciel, je suis prête. J'ai lancé des défis avec ce Loudalé. Et ce défi-là, Fomfara, Aloumangbenamantan. Je vais militer pour le RPG, je vais militer pour Alpha Condé. Je vais donner moi ma vie pour Alpha Condé. Si je parle en démagogie, c'est démagogie que je fais, que 22 heures ne me trouvent pas en vie. L'amour que j'ai pour Alpha Condé, je n'ai pas vu quelqu'un qui peut diminuer ça, qui peut me parler, me décourager. Donc, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas au RPG pour avoir un poste. Je ne suis pas au RPG pour avoir de l'argent. Moi, je mène ma vie. Moi, j'ai ma maison construite. Ce n'est pas le RPG qui m'a donné. Moi, j'ai mes voitures. Ce n'est pas le RPG qui m'a donné. J'ai mes enfants et ce n'est pas le RPG aussi qui m'a donné. Donc, ce que moi j'ai aujourd'hui dans le RPG, c'est plus que tout. Avoir l'amour et la confiance des vrais gens du RPG Arc-en-Ciel, ça me va droit au cœur. Ça me suffit largement. L'honneur que nous avons, ça me suffit largement. Ça me suffit largement, moi. L'honneur et le respect et considération que nous avons au sein du RPG, Wallah, les Nyeleux sont satisfaits. Merci au président Alpha Condé. Merci aux responsables du RPG Arc-en-Ciel.
Merci aux vrais militants qui sont là, qui se donnent corps et âme, qui se battent, qui font tout pour le parti, qui s'attardent rien même en retour, qui font des choses pour le président et pour le bonheur du parti. Merci à vous. Moi, je suis fière de vous. Donc, nous ne sommes pas là pour des miettes. Moi, je prends, je donne. Et puis, à partir d'aujourd'hui, les petits gestes que je faisais pour des gens-là, je stoppe. Marabama sono, c'est fini. Anoukononarama, arankombi, ou bien arankonvoqué gendarme ou bien policier. En ce moment, nafla maïbe, si c'est Alpha Condé qui m'a remis 1 franc pour te donner, ou si c'est les membres du gouvernement qui ont pris 1 000 francs pour me donner, te donner, ou si c'est le gouvernement ou je ne sais qui. Moi, je fais du bien pour moi-même. Nous sommes éduqués comme ça. Papa nous a toujours dit, il faut faire du bien. Quand tu fais du bien, tu le fais pour toi. Pas pour la personne à qui tu as fait du bien, non. Non, tu le fais pour toi. Tu prends, c'est pour toi. Donc, c'est pourquoi moi, je fais des gestes, pourquoi je donne des choses. C'est pas, non, je ne le fais pas parce que je ne le fais pas au nom du président. Mais comme je sais, quand tu fais du bien, tu le fais pour toi. C'est pourquoi moi, je fais du bien. Je ne fais pas quelque chose pour qu'on me donne, non. Donc, ce qui reste clair, au lieu de parler là-bas, là, dans les petits groupes, mentir là, j'ai trop entendu. Les Fatou Ngelo et les Ngelo ont pris l'argent, ils prennent l'argent au nom des groupes, ils mangent, m'fatara. Si tu es homme ou femme, il faut dire à la personne qui t'a dit de t'envoyer les preuves. Au lieu de parler là, prends les preuves, tu montes sur les réseaux sociaux ou tu appelles la personne, il parle. Moi, je m'en fous. Moi, je vous ai dit. Corboya est mon témoin. La dernière fois, le président voulait faire des gestes pour nous là. Quand il m'a appelé, quand on a parlé, il dit, je vais te commissionner. Et je dis, papa, appelez Corboya. Appelez-le. Faut pas, moi, personne ne me commissionne. Moi, je vous ai dit, l'argent est viande là. Si ce n'est pas pour moi, je ne regarde même pas pour ne pas toucher. Faut pas qu'on me remette 1000 francs de qui que ce soit. Si les 1000 francs là, c'est à moi, je récupère. Si c'est pour Paul, j'appelle Paul, tu lui donnes. J'ai des témoins pour ça, ça ne finit pas. Alors nous, s'il y a quelqu'un qui fait une autre promotion, les nyeleux, Halima Araba, tu vas voir si nous, on va tomber. Si nous, moi aujourd'hui, je suis fière de moi. Parce qu'au sein du RPG Arc-en-Ciel, eux, ils reconnaissent l'effort qu'on a fourni. Même mes ennemis, parce que moi, IFDG, ce n'est pas mes adversaires. Hein. C'est mes ennemis. Mes seuls ennemis dans le monde, c'est l'Oudalen et le... Et leur IFDG, parti satanique là. Donc moi, Fatou Ngelwe, je dis bien, même eux, aujourd'hui, dans leur tête que oui, les Ngelwe ont déstabilisé Selou et son IFDG. Et ça reste encore. Parce que là, on est toujours en octobre. Après le 18 octobre, là, c'est là maintenant. Ah non, là, je vais bien dormir. Je vais prendre soin de moi. Je vais aller me reposer d'abord en Australie. Je fais 2 mois. Après, pour l'investiture de mon père en janvier, je reviens en Guinée. Je vais assister à ça. Et je veux chercher maintenant à ce qu'il me nomme ambassadrice dans un autre pays. Je vais aller rester là-bas. À bon entendeur, salut. Yeah. Donc, on t'a aura na yoli yoli wanyé ne rena ki, ça me fait ni chaud ni froid. Et puis, m'fatara, si j'ai mangé l'argent de quelqu'un, m'fatara, pignan, anoukononara maran kring, anoukononara marandong, des escrocs comme ça là, des personnes, des diviseurs comme ça là. Vous partez parler là-bas dans des groupes, on voulait ma kundu kundu ira meni, lenye loyon, m'tanfatara, lenye loyon, on kere marago. Nous, nous étions VIP dans l'IFDG. Et toute personne qui n'est pas digne là, ta place c'est dans l'IFDG. Les indignes là, c'est là-bas. Parce que c'est eux qui prennent de l'argent, on te paye. C'est eux qui prennent voiture, on te donne. C'est eux qui prennent tout. Quand tu veux avoir des choses là, tu peux aller te rallier dans là où il y a les indignes là. Nous, au sein du RPG,
c'est l'avenir qui compte. Au sein du RPG, c'est le boulot demain. Au sein du RPG, c'est comment aider et accompagner le président à développer ce pays. Voilà. On ne peut pas développer le pays là. On prend l'argent. Avec quoi on doit développer le pays? On distribue ça à des gens. Là, tu ne veux pas aider le pays. Donc, c'est l'Oudalen. Ceux qui sont indignes là, ceux qui veulent l'argent là, ceux que je sais, dans l'IFDG il y a l'argent. Moi j'ai eu beaucoup de choses dans l'IFDG. J'ai eu plein de choses dans l'IFDG. J'ai investi beaucoup, c'est grâce à l'IFDG. Ça je vous dis clair et net, je suis la fille du père fondateur de l'IFDG. Ce jour là-bas il y a l'argent. Il y a l'argent là-bas. C'est des indignes, ils acceptent les gens. Donc, ceux qui ont insulté ici, c'est à la chatte de la mère de Seloudalen qui est couchée, qui est dans sa tombe là, à Djamar Mansole. C'est à elle que vous avez insulté. Les injures de père qui vous ne récombitirez pas. Ceux qui ont insulté ici, c'est au père de Seloudalen qui est là, Djian, qui est couché aussi dans sa tombe. C'est à lui que vous avez dit. Ceux qui m'ont insulté là, c'est aux petites fesses de Seloudalen, le salopard Seloudalen. C'est à ses testicules vous avez insulté, c'est lui, c'est pas moi. Moi, je vais vous rentrer tous, je vais vous soigner. Moi, mon défi là, avec ces Loudalens jusqu'au bout. Je l'ai dit, c'est lui aujourd'hui, pour faire plaisir à ces Loudalens. Même si moi, je ne vais pas retourner dans l'IFDG. Juste entendre que moi, je suis frustré dans le RPG, il va dormir. Parce qu'il dit, ah, il va dire, ah, moi, je savais, je l'avais dit. Ça, c'est un. Ou même quand il entend que non, je ne suis pas du RPG. Ah non, il va fêter. Même si je ne vais plus retourner avec lui. Hein. Et ce défi-là, quand je vais mourir, l'Alpha Kondera fi Hamfara, le jour où je vais me retourner derrière Alpha, qu'Allah me reprend, qu'Allah prend ma vie. Tant qu'il vit, le jour où je vais quitter derrière Alpha, Allah ni bangir en alloré. Moi, je vous dis, j'ai un combat noble à mener. Moi, je ne cherche pas des miettes. Moi, je cherche l'avenir. Je cherche des projets. Je cherche comment aider mon père, le champion des champions, à développer ce pays. Je cherche comment aller trouver des investisseurs ailleurs, les amener. Comment envoyer des projets ici que mon père Alpha et le ministre Kassori, le PM, le premier ministre, qui est moi, mon grand frère. Comment ils vont m'aider à avoir des projets dans ce pays? C'est ce que moi je cherche dans le gouvernement. C'est ce que je cherche au sein du RPG. Ce n'est pas des petites miettes. Non, tata muntana. Les miettes, là, j'en ai ni. Mais rien n'est écolo, écolo, on t'en dignare, muntana. Mais rien n'est écolo, écolo. Moi, j'ai eu ma première voiture. Moi, Fatungele. J'ai eu ma première voiture. Quand j'ai eu mon brevet. Voilà. Difani ambara rabaha. S'il y a Ansou aujourd'hui en Guinée, il y a d'autres qui pensent de n'importe quoi. Ils parlent. Mais comme je ne vais pas parler à la place de Ansou, moi je l'ai dit, je ne vais pas parler à sa place. Et puis même si Sahara Namfara, Afanya Afan Fatara, lui aussi il a bien fait. S'il mange là, s'il fait quoi et quoi, est-ce que c'est l'argent de quelqu'un? Il a bien fait. En tout cas, moi, donne Tam Fatara. Si tu es homme ou femme, là, on va se montrer. À part l'ambé. Moi, je ne suis pas une blogueuse. Hein. Moi, je ne cherche pas ma vie sur les réseaux sociaux. Moi, je ne viens pas raconter ma vie privée sur les réseaux sociaux. Moi, je suis une femme responsable et respectueuse. Ceux qui m'ont connu, ils m'ont connu. Ils m'ont connu. Ils m'ont connu. Mais ils m'ont connu. Faut pas même masquer les numéros appelés. Si tu veux m'insulter, là, ne masque pas. Il faut appeler, je vois ton numéro, je ne décroche pas. Ça, c'est le numéro Sabar, là, le 00, là. C'est ça. Donc, je vais vous laisser. C'était ça. Nous, les Nyeleux, nous ne sommes pas les mêmes. Voilà. Wunkere Mara. Je suis fière des vrais militants. Les vrais communicants sont là. Ils sont très dignes. Moi, je me réfère aux gens, là. Mohamed, juriste Condé. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui est aussi digne que lui. Tu ne l'entends jamais parler. Les Sinani, les stratèges, les calots diplomates,
les Antonio Farga, les vrais communicants du RPG, des personnes qui ont tout donné pour le parti. Ils sont là, tu ne les entends jamais se plaindre. Ils sont fiers de leur champion, ils sont fiers d'eux. Ils sont, c'est des nobles. Moi, je me réfère aux gens là. Donc, je ne vais jamais me presser ou pour dire que non, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Qu'est-ce que nous, on a donné au RPG Arc-en-Ciel? Est-ce qu'ils étaient obligés de nous accepter au sein du RPG, d'après tout ce que nous, on a fait aux gens-là? Ils n'étaient pas obligés. Mais comme Alpha Condé est comme le prophète Mohammed, paix s'aligne sur lui, plus tu le détestes, plus tu lui insultes, plus tu lui haïs, plus lui, il te cherche, il t'approche. C'est ça le rôle d'une personne humaine. C'est ça le rôle d'une personne de Dieu. Alpha, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il est comme le prophète Mohammed, paix s'aligne sur lui. Nous, on a tout dit et tout fait, Alpha Condé. Il n'était pas obligé de nous accepter. Mais il nous a pardonné. Et il nous aime comme ses propres enfants. Donc, moi, ça me suffit largement. L'amour que le président a pour moi, Fatou Ngueye, l'amour là me va. Les Ngueye sont fiers de lui. Et on ne va jamais quitter le professeur Alpha Condé. Tant que Alpha Condé est président dans ce pays-là, on est avec lui. Et on va être avec lui. Et tout moi, mon vœu, tout moi, mes prières, c'est comment Allah va lui donner longue vie et santé de fer. Le reste, là, vous blaguez. Donc, on nous compare, nous, les Ngueye, là, vous êtes des perdants. Nous, nous sommes sur le terrain, on mène le combat ici. On le mène aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, nous, nous sommes ici, pas que pour quelque chose. Moi, je n'en veux personne. Si tu es milliardaire, multimillionnaire, tu as quoi? Moi, ce n'est pas mon problème. Je me contente de ce que j'ai. J'ai ma famille qui est avec moi ici, mes enfants. J'ai mes voitures, j'ai des bonnes personnes qui sont à mes côtés. Donc, ça me va, ça me suffit. J'ai mon boulot, j'ai ma maison. Je n'en veux rien à personne. Personne ne me nourrit. Personne ne me donne rien. Et je ne veux même pas. Je remercie Dieu que c'est moi qui prends mon argent pour assister certaines personnes. Donc, je suis pas... Moi, je m'en fous de ce que les Yoli parlent là. Mais ce qui reste clair, moi, là où j'ai pas eu peur de ces loups, j'ai pas vu cette personne à qui j'aurais peur. Donc, s'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui sont engagés, moi, Fatou Ngueye, je suis plus engagée que vous. Et je suis plus fou. Folle, même pas folle, je suis plus fou, parce que là, c'est pas folle. Je suis plus fou que vous.